Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons continuer un peu Minecraft parce que c'est génial. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai prévu beaucoup de choses pour le moment, mais j'ai pas d'idée vraiment intéressante au point de vue global pour voir qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Donc on va continuer déjà à On va déjà continuer tout simplement à faire le champ et après on verra bien pour la suite, pour continuer la suite plus tard par la suite. Donc ici, donc comme vous voyez, en fait je dois faire 3 de large partout comme ici. Le seul endroit, enfin si on le fera aussi, et mon champ sera enfin prêt à être utilisé, même s'il est déjà. Il peut être déjà utilisé, bien sûr. Il peut être utilisé à n'importe quel moment. Ça a vraiment rien à voir. Ce que je dis là, c'est des bêtises. Donc, on avance. Je sais pas où je vais. En fait, je cherche après. Je cherche après le truc de terre, en fait, là où j'ai trouvé l'eau et que j'avais expliqué comme quoi j'avais fait un gros fell. Mais sinon après je ne trouve pas, je ne sais pas où il est. Alors, où c'est ce truc? Où j'aurais bien pu le foutre? Parce il faut quand même pas que je m'éloigne de trop parce qu'après je vais pas me retrouver sur mon point de spawn. Oui, attention, je vais chercher ma carte peut-être avant de faire n'importe quoi. Donc on y va, on va chercher la carte. 2 secondes. J'avais ma tablette graphique qui me chatouillait avec son fil, donc du coup ça me dérangeait un peu. Donc du coup, ben, regardez, Beaufeuille, je me suis perdu. Ça veut dire que, ah ben voilà, j'ai trouvé ma maison. Je vais aller chercher la carte parce que je n'ai pas pris la carte avec. Parce que la carte, elle sert à quelque chose, hein. Elle sert à être utilisée. Après, si vous la perdez, ben, c'est le but du, c'est le jeu. Il faut faire attention, tout simplement. Alors, donc, vous avez tout simplement, non, il me semble, hein, que je ne l'ai pas vraiment perdue, cette carte. Apparemment, si. Tiens, c'est bizarre. Tiens, je ne l'ai pas. J'ai trouvé ça aussi bizarre que je n'avais pas de carte. Bon, ben tant pis. Hein. Je vais faire à l'aveuglette. Bon, ben du coup, je vais me prendre un. Déjà, je pense que je suis parti par là. Donc, c'était déjà mauvais. C'est par là que je vais partir plutôt pour trouver les plaines. En tout cas, me semble-t-il que c'était par là. Il fallait trouver, voilà, regardez là-bas, les plaines y sont. Donc comme j'avais bien expliqué, c'est bien là-bas qu'il faut aller. Donc bonjour à tous, ici c'est Desna Privé ou Lumi 13. Donc je suis content de vous retrouver pour un let's play commenté. Donc comme vous avez remarqué, tout était réglé maintenant, enfin presque. Il y a seulement les lignes noires, bien sûr, autre, mais bon, ça on en a déjà assez parlé. Enfin bref, la qualité est maintenant plus ou moins raisonnable par rapport aux autres qualités. J'en suis satisfait pour le moment. En tout cas, c'est déjà pas mal. Pour débuter, pour quelqu'un qui débute et qui est débutant dans Minecraft, c'est déjà pas mal. Après, plus tard, peut-être que j'achèterai ce logiciel en sachant que le logiciel coûte dans les 49 euros, le hack. Donc il faudra attendre un petit moment pour que je puisse acheter. Au début je croyais que ça coûtait 99, mais bon, non, c'est pas le cas.
Mais ça vaut le coup, hein, je vous le dis tout de suite. Après, voilà, chacun se voit comme il souhaite. Donc, oui, pour ceux qui veulent faire des let's play avec moi plus tard, je préviens comme ça pour savoir que je suis disponible. Il faut avoir au moins plus de 15. Il faut avoir quand même un âge entre 18 et 15, 15-18 ans. Et encore 15, je préfère avoir quelqu'un de 18 ans, entre 18 et 20 ans, parce que si je prends quelqu'un de trop jeune de 10 ans ou quoi, ça ne va pas, moi ça me plaît pas. Il me faut quelqu'un de nature, de mature dans le sens qu'il soit, il a déjà eu de l'expérience dans le sens qu'il soit plus jeune. Enfin, c'est pour pas qu'on me prenne non plus pour un pays d'obéir, comme on dit. Donc, c'est normal. De toute façon, c'est normal. J'ai pas 15 ans, hein, j'ai ni 18 ans. J'ai un peu plus. Je dirais pas quel âge j'ai, mais j'ai plus que l'âge qu'on peut penser. Donc, du coup, c'est pour ça que je préfère avoir des gamins, des jeunes hommes de 17, de entre 17 et 20, 21 ans, ou 22 ans, que. Des jeunes trop jeunes et qui crient partout, qui sont stridents. Parce que j'ai eu le cas hein, au début sur ma PS Vita, j'ai testé avec des jeunes de 10 ans et 8 ans, ils étaient insupportables. Donc je sais, j'ai fait l'expérience. Après, vous allez me dire, oh, mais on n'est pas tous comme ça. Oui, mais bon, voilà, je sais qu'il y aura aussi peut-être des plus âgés qui vont être fouteurs de merde. Je dis pas le contraire, mais voilà, selon moi, il faut quelqu'un de mature pour faire des let's play avec moi et faire des trucs commentés. Parce que voilà, je vais pas commencer à faire des let's play avec des gens trop jeunes. Ce qui est logique. Après, ça dépend avec qui aussi, parce que j'ai des amis que je connais, comme Liana 30 Gamme, elle, ça me dérangerait pas, parce que c'est une amie, c'est différent. Je la connais mieux, elle est mature. En tout cas, elle est sympa, elle est pas strident et tout, elle est sympa. Enfin, je me répète. Donc, elle, ça va, parce que je la connais. Mais ceux que je connais pas et qui proposent de faire des trucs, j'ai de peur de déjà dire non après, ça va les blesser et tout, et voilà. Donc je préfère prévenir déjà d'avance que je ne prends pas, au cas où, des jeunes trop jeunes. Bon, après, c'est que mon point de vue, hein. Ah, j'ai un lag. Bon, si je lag, c'est normal parce que ça charge. Ici, je me suis perdu encore. Ouais, je me suis encore perdu. C'est assez emmerdant. J'ai pas de carte pour me. Lag. J'ai pas de carte pour m'aider. Donc, du coup, je suis un peu dans la merde. Bon, bah, je vais repartir par là. Ça me casse un peu les pieds, ça, parce que j'ai pas de carte. En plus, ben, ah ben, regardez, il y a un biome jungle pas loin. Selon moi. Selon moi, si le biome jungle est là, c'est peut-être plus par là que je vais aller, du coup. Pire, je retrouverai bien mon emplacement, hein. C'est pas très grave. Disons que quand il fait nuit, c'est pas pratique de. C'est dangereux, quoi. Dangereux. Ouais, je pense que je suis pas en bon endroit parce que ça charge en fait. Du coup, ça veut dire que. Ça veut dire tout simplement que. Il y a que je suis pas dans le... je vais dans un nouvel endroit. Du coup, c'est un peu gênant parce que du coup, je ne sais pas où je suis et ça me gêne un peu. Et c'est un peu perturbant parce que il fait nuit et je sais pas vraiment trop comment comment me débrouiller quoi du coup. Pour toute façon, au cas où si je me fais foutre KO, c'est la vie comme on dit.
C'est le jeu. C'est le jeu et puis c'est tout, hein. J'ai pas le choix de faire le jeu. Ce qui est bien, c'est quand on fait des let's play, on n'ose pas souvent tricher parce qu'on sait qu'après on va être mal vu. Comme des tricheurs, du coup, ben, on va éviter de tricher. Donc, c'est ce qui me permet de non tricher, en fait, aussi. C'est pour ça aussi que je fais des let's play, parce que sinon, j'ai l'art à tricher dans les jeux. Comme surtout dans Minecraft. Donc, du coup, ben, ici, je suis obligé de pas tricher, parce que sinon, après, on va me dire, ouais, t'es qu'un tricheur. Ou même si à la base, on n'a rien à dire, c'est mon jeu. C'est moi qui ai acheté, donc je fais qu'est-ce que je veux. Mais bon, voilà. Pour avoir quand même des let's play raisonnables. On va pas commencer à tricher. Ouais, mais je sais pas où je suis, j'ai jamais vu cet endroit, moi. En plus, il fait nuit, donc du coup, il y a beaucoup d'animaux, de monstres. Et j'ai pas de lit sur moi, hein. Je sais pas dormir, et puis hop là, on passe à l'endemain. J'ai pas de laine non plus. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi une PS Vita. J'ai Minecraft dessus. Mais bien sûr, je ne sais pas filmer parce que en fait c'est avec la PS Vita quand je fais mes speed painting ou quoi, ou mes explications de pain, c'est avec ma PS Vita que je filme. Donc je ne sais pas que filmer ma propre PS Vita avec ma PS Vita, ça n'existe, c'est pas possible ça. Je sais pas la dupliquer pour filmer l'écran. Ah, enculé. Ah. Donc voilà, c'est surtout ça. Oui, je sais, je vois les zombies qui viennent. Viens, petit zombie, viens. Voilà. Oh, un petit zombie. Que c'est magnan. Que c'est guenou. Bah, c'est génial. C'est pour ça que ça rame en fait. Parce que regardez ici, il y a des trucs de biome. Enfin, tout champignon, biome jungle. À mon avis, c'est l'arbre qui fait bugger tout. Enfin, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va se diriger par un endroit en espérant que c'est la bonne zone pour revenir au point de départ. Apparemment oui. On va éviter de se prendre trop de mobs. Parce que j'ai pas le niveau. Pas un niveau de taré pour pouvoir me prendre des mobs toutes ces 5 minutes. Au creeper, après je m'en fiche, c'est le plus dangereux, mais il est facile à éviter entre guillemets quand tu le vois. C'est plutôt les archers qui font chier aussi. Non, c'est ça que moi je sais pas comment je me suis planté. Je me suis perdu d'une façon mais lamentable. Je vais garder la rotom flèche comme ça ben, je mangerai à chaque fois que je me remets des vies. Ah mais dégage, je suis en train de remettre mes vies, va pas me retirer des vies, imbécile. Après j'ai plus de skins sur la version allez sur la version truc là que sur cette version-ci.
Ici, j'en ai qu'un seul, c'est celui-ci. Bah, ma maison est là-bas. Ah bah, j'ai perdu déjà de retour ma maison. Ah, il fait déjà jour. Bah, dis donc. Ah bah, c'est bien les amis, les gars. On a retrouvé ma maison. C'est incroyable quand même. J'aurais dû me perdre plus, mais non. Du coup, bah, je sais plus qu'est-ce que je cherchais. Ah ouais, plus de terre. C'est malin, du coup, bah, je peux retourner. Bon, bah, je note. Hop, hop. Comme ça, je sais où je suis. Non, je voulais le voir rouler. Elle est conne. Bon. J'ai juste abrégé sa souffrance. Bon, on était là pour. Oui, j'ai pas encore fait de pelle. C'est pas grave. Ça va à la même vitesse. Plus ou enfin, ça va peut-être plus vite, mais on s'en fout. C'est pas comme si c'était hyper lent. Et voilà. Je pense que c'est bon. On en a 29. Écoutez, c'est suffisant. Il n'en faut pas plus, quoi. Pourquoi en avoir plus? J'ai 3 de 3. Ici, il faut faire 3, 3 aussi. Ah! Voilà. Bon, on va dire que c'est bien. Putain, j'ai l'impression que ça rame. Mais non, c'est moi. On a 18 minutes. Bon, ben, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ma vidéo. Je dois changer un peu le format de stoppage parce que normalement, il doit arrêter à 20. Il arrête toujours à 53. Donc, 19, 53. Donc, je dois le changer. Je mettrai à 21. Comme ça, je suis sûr qu'il s'arrête au bon moment. Pour moi, ça fera un peu plus pour vous. Donc, je vous dis à bientôt. Et je vous dis bye bye. Bon, je continue un peu, mais ça va couper tout seul, quoi. Ça coupera à 53. Ou peut-être pas. Qui sait? Surprise. À bientôt. Bye bye. Ah, mais non, ça continue là. C'est bien. Je vous dis...